Avant de s'aventurer à calculer la pente d'une tangente, je vais faire quelques rappels sur calculer la pente d'une droite. Donc si on a un axe X ici, avec donc les abscisses qui vont varier, seront représentées sur cet axe ici, les ordonnées Y qui sont fonctions de X. Et je peux tracer une droite qui passe. L'équation qui représente cette droite, l'équation générique, c'est f de x est égal à ax plus b, où a est la pente de cette droite. Comment la calculer? Eh bien, pour calculer la pente d'une droite, on peut choisir deux points sur cette droite, donc par exemple c, qui aurait ici pour coordonnée c, et pour coordonnée sur l'axe des ordonnées, f de c. Et un point D, un peu plus loin, qui aurait pour coordonnées sur l'axe des abscisses D, et ici F de D. Et grâce à ces coordonnées, eh bien, je peux formuler une équation de la pente de la droite qui relie ces deux points. Cette pente, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire variation de y sur variation de x. Donc c'est ici delta x. Et ici, delta de y. Et delta de y, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ici, on a la position f de d et on partait de f de c. Donc, cette distance ici représente f de d moins f de c. Et de la même manière, en x, on atteint la coordonnée d et on partait de c. Donc, cette distance ici, cette variation de x, est représenté par d moins c. Et si au lieu d'avoir des points quelconques, je définis ces points, je peux prendre par exemple c qui a pour coordonnées 2 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées, et le point d qui a pour coordonnées 5 et 7. Il suffit de remplacer dans cette équation f de d ici moins f de c sur d moins c. Et ça, c'est égal à 4 tiers. Donc on a un résultat numérique pour la valeur de la pente de la droite sur laquelle ces points sont situés. Mais comment généraliser à une courbe? Une droite, c'est facile. La pente ne change pas. La pente est la même tout le temps. C'est la définition d'une droite. Mais dans le cas d'une courbe, donc si je prends ici un nouvel axe pour ma courbe, une courbe qui aurait ce type de profil, par exemple, sa pente, c'est la direction de la courbe à un instant donné. Et ça n'arrête pas de changer dans le cas d'une courbe. C'est-à-dire que ici, sa pente est comme ça. Ici, elle est un petit peu moins inclinée. À un moment, la courbe s'inverse de direction, donc la pente est plate, parallèle à l'axe des abscisses. Et ensuite, elle devient croissante. Donc, à chaque instant de la courbe, cette pente change. Comment je peux calculer la pente en un point précis? Donc, on va faire une petite expérience et on va voir comment on peut généraliser cette règle pour les courbes. Donc, on va rester sur l'idée de la courbe que je vais nettoyer un petit peu ici pour pouvoir retracer quelque chose de plus propre. Donc, et donc on a une courbe ici qui aurait ce profil. Et je peux y définir un point ici, x, pour lequel je veux obtenir la valeur de la pente de la courbe en cet endroit. Les coordonnées de x sont sur l'axe des abscisses x et sur l'axe des ordonnées f de x. Je peux choisir un point raisonnablement distant de x, ici, situé à une distance complètement arbitraire, que je vais appeler h. Et ainsi, ce point ici a pour coordonnées x plus h et pour ordonnée f de x plus h. Je peux alors calculer la pente de la droite qui relie ces deux points. Ce sera la pente de la droite sécante, puisque c'est une droite qui va relier ces deux points, mais qui va non pas être tangente à la courbe, mais couper cette courbe. La formule reste la même, je veux delta y sur delta x. Ici, delta y, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est f
de x plus h, f de x plus h, moins f de x. On a bien ici cette distance qui est delta y. Et delta x, eh bien, c'est x plus h moins x. C'est bien la distance h ici. Et d'ailleurs, cette expression se simplifie. On a x moins x et on obtient l'expression f de x plus h moins f de x sur h. Donc voilà, bon, ça c'est bien gentil, ça me donne l'équation pour la droite sécante. Comment je peux essayer d'extrapoler ça, comment je peux utiliser ça pour réussir à obtenir la pente de la droite tangente en x, qui me donnera du coup la pente de la courbe en ce point x précis. Eh bien, j'ai défini le second point comme distance de h, c'était complètement arbitraire, donc je peux moduler cette distance. Et dans notre boîte à outils de l'algèbre, on a ce qui s'appelle les limites. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser à qu'est-ce qui arrive lorsque je prends la limite de h qui approche 0. C'est-à-dire, plus il va être petit, plus je serai en train de calculer quelque chose qui s'approche de la tangente. Si je choisis un h plus petit, si le point était situé ici, la droite dont je calcule la pente serait à ce moment-là cette sécante. Et si ce point se rapproche encore plus de x, pour se situer ici, j'ai à nouveau une droite un peu différente. Et donc plus cette distance va réduire, plus ce point sera de plus en plus proche de x, plus cette distance sera proche de 0, et bien plus je m'approcherai du calcul de la réelle tangente en x. Donc on va essayer ça. Ça s'écrirait la limite de quand h tend vers 0 de cette formule ici, f de x plus h moins f de x sur h. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée. C'est la dérivée de f. Et on le note f prime de x, puisque ce sera également une fonction. En effet, comme la pente change à chaque point, pour chaque valeur de x, on aura une valeur de f prime de x correspondante. Donc c'est bien une fonction de x qu'on note f' de x. Voilà, ça va se clarifier. Maintenant, avec des exemples, on va voir comment on peut calculer ça. Lorsqu'on va nous donner une valeur de x, on va pouvoir faire ce calcul de limite.